Je m'appelle Frédéric Bourgmestre, je suis enseignante en sciences et techniques médico-sociales au lycée Le Margeria. J'enseigne essentiellement en bac ASSP, accompagnement soins et services à la personne. Les objectifs de la formation sont essentiellement d'acquérir des compétences professionnelles du milieu sanitaire, futurs aides-soignants, infirmiers, auxiliaires de puériculture, ou du milieu social, moniteurs éducateurs, accompagnants éducatifs et sociaux. La formation se déroule en 3 ans après une classe de 3e ou un CAP. 6 périodes de stage de 3 à 4 semaines, donc en gros 23 semaines sur la formation. Des enseignements théoriques habituels, français, maths, sciences, etc. Des enseignements théoriques professionnels, les sciences médico-sociales, la nutrition, la biologie, etc. Et des enseignements professionnels pratiques, les techniques d'animation, de collation, d'entretien des locaux, de soins d'hygiène et confort. Donc une formation qui requiert un bon niveau scientifique, mais aussi des aptitudes physiques, des aptitudes relationnelles, des qualités d'entraide, de respect des uns et des autres, et puis de l'adaptation, du dynamisme, de l'entrain, du sérieux, et ce sera parfait. Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent se situer dans la petite enfance, auprès des personnes âgées, dans le milieu hospitalier ou auprès des personnes handicapées. Après le bac, 3 possibilités, soit des études à court terme, comme les métiers d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture, des études à plus long terme, les BTS, écoles d'infirmiers, éducateurs spécialisés, etc. Ou alors se professionnaliser et aller directement sur le marché du travail. Le milieu du soin, de l'aide à domicile et du social est très porteur aujourd'hui, les recrutements sont nombreux, alors on vous attend.